Avec notre invité du jour, c'est vous. Bonjour Tamara Al-Rifai, vous êtes directrice de la communication et des relations extérieures de l'UNRWA. Vous intervenez depuis Amman en Jordanie. Merci de nous accorder ces quelques minutes pour témoigner sur notre antenne de la situation donc, sur le terrain. On vient de le voir ici, les femmes, les enfants sont parmi les premières victimes de ce conflit. C'est ce que constatent aussi vos équipes sur le terrain? Oui, c'est exactement ce que constatent nos équipes. Nous parlons déjà de plus de 4000 enfants tués et des milliers d'autres blessés. Nous venons de voir Layal et Ahmad. J'en suis d'ailleurs très, très touchée, même pendant cette intervention. Nous parlons donc de morts, de blessures, mais surtout d'un effet à très long terme psychologique et psychique sur les enfants, les civils, les femmes et tous ceux qui ont perdu une jambe, un bras ou de la famille. La situation est catastrophique, la situation humanitaire est vraiment, vraiment catastrophique à Gaza et elle n'est pas rendue vraiment meilleure par l'aide humanitaire qui entre depuis 2 semaines car c'est une aide humanitaire qui reste très limitée. Et elle n'est pas du tout à la hauteur des souffrances et des besoins à Gaza aujourd'hui, parmi les civils, dans les hôpitaux et dans les 150 refuges écoles de l'UNRWA, de l'Agence des réfugiés palestiniens, où ont pris refuge plus de 700 000 personnes déplacées. Voilà, écoles et refuges que l'on dit maintenant surpeuplés de réfugiés, 1,5 million de réfugiés. C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer ce que ça représente. Comment sont-ils pris en charge? Dans quelles conditions? Racontez-nous. Des conditions, encore une fois, très, très, très difficiles. Nous parlons, il faut s'imaginer une école. Une école qui reçoit tous les jours 1 000 ou 2 000 enfants. Pendant cette guerre, ces écoles deviennent des refuges. Nous parlons de plusieurs milliers de familles qui se sont réfugiées dans des écoles qui n'étaient pas prêtes à les recevoir, ni en termes d'approvisionnement, en nourriture, en eau propre, mais même les toilettes, les salles de bain, les douches, tout ça n'est pas prêt à recevoir plusieurs milliers de personnes qui maintenant se partagent un espace très, très limité et ne savent pas pendant combien de temps. Et en plus, nous avons eu plus de 50 de nos bâtiments, de nos écoles qui ont été endommagés dans ce conflit et jusqu'à une cinquantaine de personnes déplacées qui se sentaient protégées dans les immeubles des Nations Unies sous le drapeau bleu qui ont été tuées justement pendant ces bombardements. Le chef de l'agence, Philippe Lazzarini, est entré dans Gaza mercredi dernier. Son constat est sans appel. Il parle de destruction à travers Gaza sans précédent. Aucun endroit n'est sûr, dit-il. Il dit aussi « tout ordre civil menace de s'écrouler ». On n'y est pas encore ? On y est presque. On y est presque parce que les services des municipalités, par exemple, ne fonctionnent plus. L'assainissement en eau ne fonctionne plus. Et ce que remarquent mes collègues avec qui je suis en contact tous les jours, c'est les queues devant les boulangeries, par exemple, deviennent de plus en plus chaotiques, ce qui est emblématique d'un état d'anxiété très, très, très élevé parmi les Palestiniens de Gaza. Nous assistons donc tous à une crise humanitaire, mais aussi un écroulement de l'ordre public. J'allais vous poser la question de la communication avec vos équipes qui ont décidé donc de rester sur le terrain. On dit que l'enclave palestinienne est aujourd'hui coupée du monde. Troisième blackout total depuis le début de cette guerre il y a un mois. Exactement, ce qui rend notre communication très très difficile, sauf avec un groupe réduit de nos collègues internationaux qui sont en possession de téléphones satellitaires. Mais tout blackout nous paralyse. Tout blackout signifie que nos équipes ne peuvent pas communiquer entre elles et sortir, aller dans les différentes écoles pour distribuer de l'aide humanitaire et de l'eau. Les blackouts s'ajoutent ou ajoutent à l'anxiété ambiante et ajoute aussi à notre pouvoir limité de réellement assister ces 700 000 personnes réfugiées dans nos écoles. Il est très important pour nous d'insister qu'il faut un cessez-le-feu immédiat et un passage sécurisé pour les convois humanitaires, donc ne pas perdre davantage de nos collègues. J'ai déjà perdu 88 collègues
de l'UNRWA, ce sont des Palestiniens de Gaza qui eux-mêmes sont déplacés. Il est essentiel maintenant d'arriver à un cessez-le-feu immédiat et de permettre aux Nations Unies, à l'UNRWA, de travailler et d'être à la hauteur des besoins qui sont énorme. C'est ce que réclame au même moment, hein, pendant que vous êtes en train de vous exprimer de nouveau, la Turquie qui recevait ce matin Anthony Blinken, les États-Unis qui disent œuvrer très activement pour davantage d'aide humanitaire à Gaza. J'aimerais votre réaction et votre décryptage à vous sur ce qui se passe sur le terrain. On a vu ces camions d'aide humanitaire entrer dans Gaza, quelques dizaines, là où il en faudrait plusieurs centaines chaque jour. Vous vous dites que c'est largement insuffisant? Oui, c'est largement insuffisant. Nous avons reçu sur ces deux dernières semaines à peu près 450 camions, 450 en 15 jours, après deux semaines de siège total. Sur ces 450 camions en deux semaines, nous n'avons pas reçu de carburant et d'essence, qui est essentiel au mouvement de nos propres camions, mais aussi à l'assainissement de l'eau, à la génération d'électricité et aux hôpitaux. 450 camions en deux semaines, c'est à peu près une trentaine à une quarantaine de camions par jour. C'est très insuffisant. Avant ce conflit, Gaza recevait, même sous blocus, 500 camions par jour. Un mélange de biens commerciaux, à titre commercial pour les épiceries, etc., et de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, nous en sommes à 30-40 camions par jour. Nous sommes bien au-dessus de ce qui était avant, même quand Gaza était sous blocus. À cette réalité, certains mettent en avant le risque trop grand de voir du matériel, du carburant, notamment être récupéré par le Hamas. De quelle réalité pouvez-vous témoigner, vous? Je crois que le 16 octobre dernier, sur le compte Twitter de l'UNRWA, un tweet très vite effacé et rectifié faisait état de carburant et d'équipement médical volés par le Hamas. Votre organisation qui a rectifié par la suite et démenti. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Nous avons justement rectifié une information initiale que nous avions reçue sur du matériel médical et du carburant qui avait été bougé de nos entrepôts. On s'est rendu compte après enquête, une heure ou deux heures après, que c'était nos équipes en coopération avec nos partenaires locaux et l'Organisation mondiale de la santé qui avaient bougé ce matériel médical et ce carburant vers des centres médicaux à Gaza. Et nous avons donc retiré le tweet et nous l'avons rectifié pour prendre possession de ce qui s'était passé en effet. Et sur ceci, nous continuons à défendre le besoin en carburant dans la bande de Gaza et nous continuons d'être responsables de tout un passage de carburant à Gaza. S'il est remis à l'UNRWA, nous ne l'utiliserons que à fin humanitaire. Et cette gestion n'est pas trop compliquée? Vous ne vous sentez pas sous pression? Elle est très compliquée et nous sommes vraiment sous pression, mais nous sommes très, très, très responsables envers la population de Gaza. Nous sommes l'agence des Nations Unies la plus large, la plus grande, celle qui est le plus ancrée dans la communauté des réfugiés palestiniens à Gaza. Je rappelle, nous parlons de 2,2 millions de personnes à Gaza, dont 1,7 million sont déjà des descendants des réfugiés palestiniens. Donc des réfugiés palestiniens eux-mêmes, ce sont nos bénéficiaires, nous les connaissons, leurs enfants vont dans nos écoles. Donc c'est une communauté qu'on connaît très bien. Et d'ailleurs, mes collègues palestiniens à Gaza, ce sont 13 000 personnes qui ont toujours travaillé pour l'agence ou travaillent depuis des années pour l'agence et qui continuent à travailler aujourd'hui, même si ces collègues même sont déplacés dans nos refuges. Merci beaucoup, Tamara Al-Rifai. Merci pour ce témoignage. Vous étiez notre invitée du jour à la veille de ce premier mois, hein, marquant le début de la guerre entre Israël et le Hamas.